Allez, salut. Aujourd'hui, j'ai reçu mon stabilisateur Atom de chez la marque Snopa. Vous avez déjà fait une belle présentation avec ce système-là. Un truc tout à fait original. Et cette fois-ci, encore une fois, ils nous ont surpris avec un stabilisateur encore qui ressemble à rien du tout. C'est un stabilisateur qui se présente comme ceci et qui va nous permettre, avec un simple clip, vous voyez, 1 et 2, d'avoir un stabilisateur pliable et surtout de poche. C'est vraiment une nouvelle configuration que j'apprécie vraiment parce que ça le rend ultra compact. Et le petit plus aussi, c'est que si on le compare à d'autres stabilisateurs, c'est-à-dire que celui-ci, on va l'installer comme ça, et on va avoir notre moteur ici, notre smartphone ici, et en fait ça c'est le moteur arrière. Si on le compare à un stabilisateur classique, si je devais le positionner de la même façon, on se retrouverait avec ceci. Alors je ne sais pas si on va bien voir, mais le moteur arrière est là, ce qui veut dire que dans le champ de vision, vu qu'on a l'optique ici, qu'on voit le moteur qui se trouve à l'arrière. Donc c'est vraiment une configuration un petit peu à part, parce que ce moteur là il est là et le moteur qui est ici il est juste derrière, en fait il se trouve ici. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, parce que je viens tout juste de le recevoir. Alors on a quoi? On a une petite pochette, voilà, une plus classique hein, avec le logo Snopa. On a quoi là-dedans? On a des petits câbles. Ah, ça c'est sympa ça. Ça c'est bien. Et on a surtout un petit manuel d'utilisation qui est en français. Non, tout en anglais. J'ai pas eu encore le temps de le lire. Je vous ferai un petit test après dans une prochaine vidéo. Ça sent chinois, mais. Vous allez voir, il y a des petites options qui sont plutôt pas mal sur ce sur cet appareil. C'est ça, là, on peut charger le téléphone et on peut apparemment aussi brancher un micro externe. Si vous avez le temps, vous pouvez faire une petite pause. ...360 rotations sur ce moteur, c'est-à-dire qu'il tourne entièrement sur lui-même. 440 grammes. Et il peut aller le supporter jusqu'à 310 grammes ici là au niveau du poids, donc c'est vraiment pas mal quoi. Donc voilà, donc ça en petit câble, on a quoi? On a un câble USB, micro USB pour la recharge. Ça c'est vraiment très bien parce que ça permet d'avoir des charges beaucoup plus rapides. Attention, lorsque vous utilisez des câbles USB, surtout micro USB, il faut savoir que ici là, généralement, à l'intérieur de la fiche, il y a un petit circuit imprimé qui va réguler le voltage à la sortie pour pouvoir charger correctement l'appareil. N'utilisez pas des fiches made in China ou des câbles USB, USB-C que vous ne savez pas d'où ça vient. Essayez de trouver des originaux. Et surtout pour ces appareils, prenez bien le câble original. Alors ici, on a un micro USB, ou micro USB, parce qu'en fait, la fiche qui est ici, là, qui va permettre d'alimenter l'appareil, c'est du micro USB, USB-C, et un deuxième qui est sûrement pour l'iPhone. Ah, c'est ça. Voilà. On fera un test et ensuite on a une sortie micro qui est ici, qui va nous permettre de pouvoir récupérer la sortie micro qui est là. Donc, au niveau de l'ergonomie de la main, je trouve que c'est pas mal. On tient vraiment bien. Ici, on a accès à pour avoir le zoom optique. Ici, il y a un bouton qu'il va falloir que je détermine ce que c'est. On en a un ici. Ici, on a la fiche de recharge.
Là aussi on a un déclencheur. En fait il y a pas mal de boutons. Là c'est pour le démarrer. Ici on a la sangle, si on veut en mettre une. Là je sais pas s'il y a quelque chose derrière. Apparemment pas. Non, ici il n'y a rien. C'est assez propre, c'est bien fini. C'est vraiment hyper accessible. Ils ont bien étudié le truc. Je trouve ça pas mal. J'ai accès, là je peux démarrer. J'ai facilement accès à tous les boutons. Le mieux c'est d'avoir l'application installée et de pouvoir voir un petit peu ce que ça fait. Mais on verra ça tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Là c'était vraiment juste pour la présentation du produit. Et vous montrer que cette nouvelle Steadicam, elle sort vraiment, vraiment de l'ordinaire. Parce que ce système de rangement, quand on voyage, c'est vraiment top. Ça permet vraiment de rendre l'ensemble ultra compact. Et je trouve ça pas mal. Parce que ça va comparer à une Steadicam classique qui est ici, par exemple. Hein, vous voyez, la place que ça prend. C'est énorme. Comparé à... Si on prend aussi... La Snooze 4 qui est ici, et si je veux la fermer, elle prend tout ça comme place. Elle est vraiment énorme. On la compare, on n'a même pas la moitié du produit quoi. Donc c'est la Snooze 4 ici. Pareil, on a la Mozza Mini. Donc c'est, on divise tout par deux quoi. C'est ça n'a absolument plus rien à voir. Qu'est-ce qu'on a encore? On pourrait la comparer à la Vimble 2. Pareil. En fait, le truc, c'est que ça s'arrête ici. Au niveau de la capacité, c'est la même chose. On a la fiche pour la 10 un quart. Si on devait la comparer aussi à l'Ostromobile qui est là. Alors, là, il n'y a pas photo, quoi. On est vraiment sur quelque chose d'ultra compact. Terme de place quoi pour voyager, je pense que ça c'est vraiment le top. On a juste à déplier, on ouvre. J'étais vraiment surpris. En plus c'était sur Kickstarter, elle vaut pas très cher quoi. Je crois que je l'ai payé 78$ quand elle est sortie, puisqu'elle était en lancement sur Kickstarter. Là aujourd'hui on la retrouve aux alentours de 120€ sur Amazon, donc ça reste quand même un bon prix par rapport au reste des Steadicam, et surtout que les moteurs ils peuvent aller sur 330 grammes. Et en plus on a soit la recharge en USB-C, le micro, et là derrière il y a un pad qui permet d'avoir la recharge, je sais plus comment ça s'appelle là, quand on pose le téléphone en fait automatiquement il va se recharger via ce petit circuit à induction. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà pour cette petite review, je vais bûcher un petit peu la notice et puis je vous ferai une petite vidéo de démonstration et de présentation. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, je suis là pour ça. Allez, à ciao.